Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment je fais moi pour débuter mes semences quand il fait encore frais d'ici en avril-mai en Alsace. Et je vous montre aussi la technique que je fais pour faire des sous-coupes sous mes pots. Voilà quoi, il vous faut juste des sacs poubelles plastiques. Moi j'utilise des sacs jaunes, c'est celui-là qu'on reçoit quand on va aller chercher à la mairie, c'est pour le tri sélectif, c'est-à-dire où on doit mettre le papier carton, les bouteilles pots en métal, voilà quoi, le plastique. Et papier carton, voilà quoi, moi c'est des sacs, je sais pas combien de litres c'est peut-être des 30 litres. Moi je vais les plier en deux. Ils sont un peu sales, c'est pas très grave, vu que je les avais déjà utilisés l'année dernière quand j'avais commencé comme ça le jardinage, mais j'avais tu peux encore lancer sur YouTube pour vous montrer ça, sinon je vous l'aurais déjà montré l'année dernière bien sûr. Et par la suite, je pose mes pots dessus comme ceci. Moi il m'en faut 3 pour tous mes pots que j'ai. Après, il y a aussi la technique avec le papier journal à mettre en dessous, mais j'aime pas trop sur le carrelage parce que ça a tendance à, comment dire, quand vous enlevez une fois vos pots, quand ils sont assez grands ou quand vous le replantez en fait, qu'est-ce que ça fait en fait, c'est que le papier journal a tendance à coller au sol et va, allez-y, et c'est un peu chiant pour l'enlever en fait. Donc je préfère la méthode avec les sacs poubelles. Après, vous pouvez prendre des noirs que vous trouvez en commerce, bref, moi je vous montre avec ça comme moi j'aime. Après je vais continuer, c'est aussi cette équivalence si vous commencez dans le jardinage ou avec les fleurs et que vous n'avez pas les moyens d'acheter une serre ou un abri de jardin, ça que je comprends. Cette technique marche aussi très bien, là je suis sur la véranda, c'est pour ça que ça résonne autant. Moi je ne sais pas combien de projets, je vais vous les compter, je vais vous noter quelque part sur la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça je le saurai que je peux vous en filmer d'autres. Et n'hésite pas non plus à partager et ou à liker la vidéo si ce genre te plaît, comme ça je sais aussi que ça a des trucs qui vous plaît, comme ça je peux en faire d'autres. Ou encore, et en barre d'infos, je mettrai donc le matériel qu'il faut, donc ce sera juste des sacs poubelles. Et je mettrai aussi là où tu peux venir me suivre, c'est-à-dire me rejoindre sur t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi que sur Twitter. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Tchuss!